Ok, moi, premier contrôle, personnellement, j'en ai tellement des contrôles. J'en ai un en tête, j'étais dans les beaux quartiers de Paris, vers les quais de Seine, tout ça. Et j'étais au téléphone en train de tapoter, machin, voilà. Et d'un seul coup, il y a 3-4 voitures, non, disons, elles étaient 2-3, elles arrivent en civil, ils sortent de la voiture et commencent à me braquer direct. Bouge pas! On sait que c'est toi! On t'a vu, machin! Il y avait une baraque derrière, genre, il y a eu un cambriolage. Ils étaient pas là, les mecs qui habitaient derrière. Ils me disaient, pendant que j'étais en bas, ils me disaient: ouais, je sais qu'il y a ton pote à l'intérieur! Bouge pas, tu vas voir, vous allez prendre cher cette fois-ci, machin. Ils m'ont pris la tête pendant plus de 20 minutes, ils étaient sur moi en mode: ah, bouge pas, on sait que c'est toi, contrôle mur, machin. Ils m'ont fouillé, contrôle d'identité, j'avais même pas ma carte d'identité ce jour-là. Ils voulaient m'emmener au poste, mais comme c'est des villes-ci que je connais déjà, je leur ai dit: mais wesh, on se connaît, c'est pas moi, tu sais très bien que machin. J'essaie de parler avec eux, mais avait pas moi, jusqu'à ce que l'un d'eux, il arrive, que je connais très très bien, qui me contrôle souvent, bref. Et vas-y, ils m'ont relâché une demi-heure plus tard. Tu ressens l'injustice directe parce que tu sais que c'est la couleur de la peau. Voilà, c'est la couleur de la peau, on va pas se mytho. Si j'étais dans les beaux quartiers de Paris et j'étais le seul Renoir à me balader vers là, et ça, cette histoire, elle date d'il y a à peu près 4 ans. Et franchement, c'est une histoire parmi tant d'autres, hein, mais celle-là, là, c'était une grosse injustice. Oh, moi, comme Black, hein, y a beaucoup des histoires, mais la pire que j'ai vécue, c'est pareil, juste avant un peu le succès du rap, on va dire. C'est une équipe de la BAC, en fait, ils font un hagler aux jeunes, et un soir, ils sont venus, ils ont contrôlé, voilà, ils ont trouvé un bout de shit par terre, et ils ont dit que c'était WAM. Ils n'ont pas cherché à savoir c'était qui, c'était dans le fouillis, tout ça, tac. Et mon pote, lui, il s'était mangé une patate déjà avant parce qu'il voulait pas déclarer les bails. Et voilà, ils nous ont pris, tac, ils nous ont ramenés à Saint-Denis et ils nous ont laissés là-bas. Ils nous ont laissés là-bas en pleine nuit, 2h du matin, il n'y a pas de transport pour revenir, tout ça. Ils nous ont fait la hagra et ils nous ont jetés à Saint-Denis là-bas. Moi, c'était devenu une habitude, on est sapé, tout ça, c'est des critères qu'on leur donne d'avance. Ils ont un critère à contrôler dehors, ils ont une tenue vestimentaire à respecter, ils ont vraiment des trucs... Puis même, au bout d'un moment, quand ils te connaissent, les keufs, c'est un jeu, c'est le chat et la souris. Ils s'amusent avec toi, ils galèrent. Au bout d'un moment, quand ils t'ont vu et revu et re-revu, pourquoi ils reviennent te contrôler? Depuis qu'on est connus, moi, tu vois, bah, parfois, je me suis déjà fait contrôler et on m'a reconnu, on m'a laissé. Voilà, c'est vrai. Et je sais qu'avant, je serais pas connu, ouais, j'aurais pas cette personnalité-là, ouais. Et ben, ils casseraient les couilles. Si tu te fais contrôler, voilà, si tu te fais haka, comme tous les jours, on pose le 07. 60, 19, 33, 81. Voilà, note bien ce numéro-là, mets-le dans ton répertoire même, parce que ça peut te servir. Mais... Le contrôle de routine n'existe pas. Une action nationale contre les contrôles abusifs est en place. Après chaque contrôle hors véhicule, retenez la date, le lieu, l'heure, le contexte, le motif annoncé du contrôle, le déroulement et le comportement des policiers, puis envoyez contrôle par SMS au 07 60 19 33 81. Le collectif vous rappellera en 24 heures pour faire valoir vos droits avec ses avocats. Rejoignez l'action Stop le contrôle aux faciès.